Salut, salut! Aujourd'hui, j'aimerais te donner un conseil que tu vas pouvoir appliquer si tu souhaites augmenter le chiffre d'affaires de ton entreprise, comment encaisser plus d'argent sans rien faire. Alors, la promesse paraît un peu forte, mais je vais t'expliquer ce que tu peux mettre en place et ce qui va vraiment te permettre d'augmenter drastiquement la valeur de ton panier moyen sans faire grand-chose de plus que tu n'as actuellement. Alors, si tu utilises ClickFunnels, System.io, Cartflow, notamment pour installer des tunnels de vente sur ton blog WordPress ou Wolfeo, etc. Tu utilises toutes ces solutions, Drivecard également. Tu peux mettre en place ce qu'on appelle un order bump. L'order bump, c'est un petit encart que tu vas mettre au-dessus du bouton d'achat lorsque la personne a rentré ses coordonnées. Juste au-dessus, tu peux mettre un petit encart dans lequel tu vas faire une offre. Ça va être une offre, ça peut être un petit produit, ça peut être un petit produit complémentaire. Je te donne un exemple. Si tu vends par exemple des chaussures, tu peux proposer du cirage. La personne, elle coche cette petite case, donc l'order bump, ça va ajouter un montant sur sa commande et elle va pouvoir donc payer. C'est bien souvent un petit produit additionnel au panier qu'elle aura. Donc, je te conseille de mettre en place en 1, l'order bump. En 2, on va parler d'upsell. L'upsell, c'est la partie qui vient après le bon de commande. C'est-à-dire que la personne, elle remplit ses informations, elle paye et ensuite elle tombe sur une offre d'upsell. C'est-à-dire que là, c'est une offre, disons, de dernière minute que tu lui fais. Une offre que tu vas lui proposer, ça peut être un produit complémentaire, ça peut être un produit en promotion actuelle, etc. Peu importe, c'est un produit que tu vas lui proposer. Elle aura juste à cliquer sur le bouton, ça va automatiquement l'ajouter dans son panier et la débiter. Si tu es sur ClickFunnels ou Cartflow, c'est automatique. Si la personne ne souhaite pas bénéficier de cette offre-là, elle aura un petit bouton en dessous, elle va cliquer sur ce bouton et c'est là qu'elle va tomber sur ce qu'on va appeler le downsell. Downsell, c'est une troisième offre, enfin une deuxième offre après l'upsell que tu vas pouvoir proposer. C'est bien souvent un produit, un petit produit de dernière minute. C'est en gros le scarcity, l'effet d'urgence. C'est le dernier petit produit que tu peux ajouter à ta commande avant de la finaliser. Si tu fais ça, tu vas pouvoir augmenter drastiquement la valeur de ton panier moyen. Et ce n'est pas grand-chose parce qu'une fois que tu as mis en place ces éléments, l'order bump, l'upsell et le downsell, tu vas pouvoir augmenter ton chiffre d'affaires sans rien faire. Donc, sans avoir fait grand-chose, en optimisant simplement ta page de paiement, ça permet vraiment de changer la donne. Et imagine si tu rajoutes 5, 10, 15, 20, 30 euros de plus sur tes bons de commande par client. Imagine quand tu as 50, 100, 200 clients, la différence et l'argent que ça fait en plus à la fin de l'année sur ton compte en banque. Donc, n'oubliez pas, n'oublie surtout pas de mettre ça en place. C'est l'order bump, l'upsell, downsell. Par contre, attention, ne transforme pas non plus ta page de vente en sapin de Noël, enfin ta page de paiement en sapin de Noël. Essaye d'y mettre des offres complémentaires. En gros, l'order bump, une personne sur trois majoritairement va cocher cet order bump. Si ton offre est totalement complémentaire au produit initial, comme j'ai cité tout à l'heure, par exemple la chaussure, enfin, tu proposes du cirage qui va avec, eh bien deux personnes sur trois majoritairement à ce moment-là vont cocher l'option puisque c'est un produit qui est totalement cohérent avec le premier produit qu'ils ont dans leur panier. Ensuite, pour l'upsell, essaie de trouver une offre qui va être vraiment complémentaire à l'ensemble de son panier, du panier de la personne. Ne va pas faire des suroffres, ne va pas non plus en mettre dans tous les sens. Si tu juges nécessaire de pouvoir mettre un upsell derrière, fais-le. Le downsell n'est pas nécessaire non plus. Si la personne prend l'upsell et que tu n'as pas, ou prend pas, ou prend l'upsell et qu'elle ne veut pas donner suite, elle cliquera sur le bouton, elle va arriver sur la page de validation de la commande. Donc tu n'es pas obligé forcément de mettre toutes ces étapes en place, mais l'order bump serait la première chose à mettre en place. Ensuite, upsell ou downsell, à toi de voir si tu mets le package des deux après ton bon de commande. Mais il faut penser absolument à pouvoir optimiser un maximum ton bon de commande, parce que tu vas voir que sur la longueur, ça va faire vraiment la différence. Voilà, j'espère que cette petite astuce, ce petit conseil, vous allez l'appliquer, vous allez avoir vraiment une différence dans votre business. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!